Qu'est-ce? Pas grand-chose. Oh, il faut me sauver, Catherine! Il faut me sauver! Sauve-moi, Catherine! Tout va très bien, madame. Dans 7 mois, ce sera une belle et jeune mère de famille. Docteur. Vous aviez quelque chose d'autre à me demander, madame? C'est que... Docteur, je... Madame, dans 7 mois, je suis à votre disposition. Rassurez-vous, chère madame. D'ailleurs, ma discrétion est garantie par la vôtre. Le premier versement, tout de suite, c'est plus régulier. Alors, voulez-vous que demain matin... Demain matin, 8 h ici. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne pourrai pas vous prendre. Je vais devenir maintenant. Ah, tout est trop mal fait, tiens. C'est drôle et pas juste. Si ça m'était arrivé à moi, j'aurais été tellement heureuse. Michel ne serait jamais parti. Un nouveau-né, c'est plus intéressant qu'un pays lointain. Claire.
Tu vas croire que je suis devenue folle si je t'avoue le projet qui me hante. Mais quel projet? Mais pourtant, si nous l'exécutions, tu pourrais prétendre à un avenir normal et je te jure que ton enfant serait heureux. Parce que tu l'adopterais? Pour que personne ne sache ce qui t'est arrivé, il faudrait que je fasse plus que de l'adopter. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aux yeux de Michel, aux yeux de tout le monde, il faudrait que je sois sa mère. Catherine. Tout coïncide tellement bien. Alors, mesdames, puisque les chambres vous plaisent, et les conditions aussi, si vous voulez remplir vos feuilles, par ici. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça, c'est ma soeur Virginie. Mesdames. Voilà, madame. Non, mademoiselle. Ah, pardon, mademoiselle. Voilà, madame. Et vous verrez comme l'air d'ici vous fera du bien. Tu t'appelles Madame Dunan l'année dernière, hein? Ah, oui. Oh, ça lui avait fait un bien extraordinaire. Le petit était super, hein? Bonjour, Père Auclair. Ah, c'est vous? Eh bien, vous voyez, tout ça s'est très bien passé. Vous aviez tellement peur. Maintenant, vous allez rester tranquille une dizaine de jours. D'ailleurs, je viendrai vous voir demain matin. C'est un beau bébé, vous savez, il pèse au moins 7 livres et demi. Qu'est-ce que vous vouliez avoir? Une fille ou un garçon? C'est parce que c'est un gars. Puis un beau gars, je vous le jure, le papa peut être fier, hein? Ça, c'est de la belle voix, moi, ta main, toi. Il n'a pas perdu de temps, il ressemble déjà. Comment qu'on l'appelle? Je ne sais pas. Toujours pressé, toi. Allons prévenir Mademoiselle Buisson, hein? Dis-lui que tout va bien. Elle s'en faisait un mauvais temps. Oh, bah, c'est toujours comme ça. Non, non, d'habitude, c'est le mari qui tourne en rond pendant des heures. Hein, docteur? Ça n'a pourtant rien que de très naturel. Oui, oui, bien sûr. Enfin, ça vaut mieux toujours un peu. Bien. Alors, je viendrai vous voir demain, madame. Oh, mademoiselle, venez voir. C'est un bon petit garçon. Tout va très bien, mademoiselle. Mon chéri, je suis si heureuse. Tu es mieux? On en prend un boxeur. Oh, c'est un vrai petit costaud. Regardez-moi ça, c'est rablé. Donnez-le moi. Oui. Mon petit. Mon petit. Mon petit. Malin. Je suis désolé. Toutes mes excuses, mademoiselle. Je me présente. Robert Darcy, champion de ski. Ben, ça se voit. Claire Buisson. Oh, c'est joli. Regarde-moi ça. C'est beau, hein? Allez, assieds-toi. Quelle heure est-il? Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ta main. Merci. Claire, il y a exactement un an à cette heure-ci, nous faisions connaissance. Tu te souviens? Ce fut mieux qu'une rencontre. Un véritable télescopage. Comme vous dites. Nos skis nous ont poussés l'un vers l'autre. Au fond, notre amour, c'est un accident de ski. Et un accident dont j'entends subir les agréables conséquences toute ma vie. Votre impression, mademoiselle? Nous nous aimons.
idiot, hein? C'est bien ce que je pensais, nous nous adorons. Eh bien alors, il est inutile de rester encore 365 jours, la main dans la main, les yeux dans les yeux, comme des amoureux de carte postale. Une chose est certaine, moi je t'adore. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Quand rentre ton père? Demain. Demain. Eh bien, demain, votre sort sera réglé, mon enfant. Mais qu'est-ce que tu as? Robert, je vais être franche avec toi. L'année dernière, dans la neige, est morte une autre Claire. Tu as à peine eu le temps d'apercevoir. Je ne voudrais pas qu'il y ait entre nous le cadavre de cette autre Claire. Je vais te parler d'elle comme d'une amie que j'ai perdue. Tu veux bien? Oui. Elle a été très malheureuse, votre Claire. Elle a rencontré un jeune homme. Elle a cru l'aimer. Elle s'est trompée. Elle a beaucoup souffert. C'est tout. Je ne te parlerai jamais d'elle. J'aurais voulu dire la vérité à Robert. Je me serais sentie délivrée pour toujours. Je n'en avais pas le droit. Deux jours plus tard, brusquement, le drame devait éclater. On se retrouve. Ah, ben c'est une veine depuis le temps que je te cherchais. Bonjour, Claire. Monsieur. Oh, monsieur, sans blague. C'est pas comme ça que tu m'appelais autrefois, non? Il faut que je te voie ce soir, sans faute. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible? Non. Je te dis qu'il faut que je te voie ce soir, sans faute, devant ta maison. Je vous dis que ce n'est pas possible. Ah, voyage magnifique. Ah, bonjour, ma fille, bonjour. Bonjour, chérie. Bien, qu'est-ce que tu as? Rien, Angélie. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, vraiment. Eh bien. Alors, tu ne le reconnais pas, ce petit air? Ah ben, dans le temps, quand tu l'entendais, tu n'étais pas longue à venir, tu te souviens? Je te sifflais. Et tu as couru. Laissez-moi passer, je suis pressée. Oh, minute, minute. Bonjour, Claire. Ça va? Crois-tu qu'il y a longtemps qu'on ne s'est vu? Hein? T'es embellie. Mon amour, on s'embrasse. Gardez votre temps. Oh, pardon. Dis donc, t'embrasses toujours aussi bien. Et vous, êtes-vous toujours aussi mufle? Ah,
Ben je vois que tu ne m'as pas complètement oublié. Non, j'ai la mémoire des mauvais jours. Ah, pourquoi tu trouves que nous n'avons passé ensemble que de mauvais moments? Des moments regrettables, en tout cas. Pourquoi regrettables? Ah, oui. Oh, ben, je me suis compromis pour toi, dis-donc. Je t'ai donné une excellente adresse. C'est ignoble. Grâce à moi, tu as pu te débarrasser d'un témoin gênant. Pauvre Robert, parie qu'il te croit vierge, hein? J'ai envie d'aller le trouver, le monsieur fiancé, pour lui apprendre comment tu as pu te garder une apparence de jeune fille sage. Parce que je pense que tu vas te marier en blanc. Ben, tu peux aller le trouver. Je ne me suis pas servi de ton adresse. Ah, t'as même pas eu recours à mon expérience. Tu as tes adresses personnelles. Compliment. Imbécile. Quoi? Pauvre imbécile. Ah, mais... Mais alors, le gosse... Mais il est vivant, le gosse? Non, je vais pas parler du gosse. Ah, mais oui, tu es un gosse. Ah, mais ça change tout, alors. Parce que moi, je suis libre. Je peux t'épouser. Je peux reconnaître mon enfant. Hein? Tu vas aller lui dire deux mots, fiancé. J'ai justement envie de fonder une famille. Et donc, à propos, c'est un garçon ou une fille? Oui, j'aimerais mieux une fille, personnellement. Oui. Je trouve que ça se débrouille mieux dans la vie, les filles. Je t'en supplie, Gérard. Cette lâcheté, tu ne dois pas la commettre. Si c'était un service que tu me demandais. Hein? C'est un service? Si tu veux. Oui. Tu veux que je renonce à toi, hein? Réponds. Tu veux que je renonce à toi, à mon enfant, à mon bonheur, à mes droits? À tes droits, à ton bonheur. Mais, service pour service, hein? Oui, il faut que je te dise que je traverse des heures assez pénibles. Hein? Alors, il faut que tu aides un peu le père de ton enfant. Il a justement besoin d'une cinquantaine de mille francs, le père de ton enfant. 50 000 francs? Oui. Oh, bon, c'est rien pour des gens comme vous, ça. Hein? Ton père est riche, ta sœur est millionnaire. T'as qu'à aller leur demander, pour l'honneur de la famille. Salaud. Écoute, c'est mon dernier prix. Hein? 50 000 francs, c'est pour rien. Le gosse non compris. Hein? Avec cette somme-là, je voyagerai. J'irai aux colonies. J'essaierai de t'oublier. Et donc, j'habite aux Trois Épis, hein? Alors je te donne 48 heures. Non, tiens, je suis généreux, je te donne 3 jours. Hein? Hein? Puis n'essaye pas de te débiner, je te retrouverai toujours. Ah, puis dis donc, j'oubliais. Pas un chèque, hein? Des espèces. No, no, no.